Nadir Sedrati, qu'on a aussi appelé le dépeceur du canal. Son histoire nous ramène à 1999. Cette année-là, au printemps, on découvre des morceaux de corps humain dans un canal près de Nancy. Des morceaux manifestement découpés au couteau et à la scie. Au début, les policiers croient qu'il n'y a qu'une seule victime. Mais après comptage, ils se retrouvent avec 3 rotules, 3 genoux. Il y a donc au moins 2 morts. Nadir Sedrati se révélera être l'un des tueurs les plus machiavéliques de la fin du XXe siècle. Truqueur, menteur, usurpateur. Et le pire, c'est qu'il tuait pour rien, ou presque, pour une poignée de billets. Cette enquête, c'est aussi la victoire de la police moderne, de la police scientifique. Le travail des médecins légistes, des experts chimistes et des généticiens a pesé aussi lourd que celui des policiers. Un dimanche matin, le 30 mai 99, sur le canal de Jarville, dans la banlieue de Nancy. Il est 6 heures, et les pêcheurs à la ligne commencent à s'installer sur les bords du canal. Soudain, l'un d'entre eux croit distinguer, flottant lentement au fil de l'eau, une masse blanchâtre. Il s'approche, c'est un pied. Un pied droit. Le pêcheur alerte immédiatement les responsables de la navigation fluviale. Le pied s'est immobilisé contre le pont. Arrivé sur place, effectivement, j'ai vu ce pied. Il était gris vert, dans un état de décomposition avancée. Et sur le coup, j'ai pensé qu'effectivement, il avait été coupé par une hélice de bateau. Ça arrive quelquefois. Ça arrive, c'est vrai. Mais le lendemain, à 500 mètres de là, dans l'écluse, autre découverte. Le lundi 31 mai, l'éclusier m'appelle vers 6 h du matin en me disant « Patrick, je crois qu'il y a une tête à la monte de l'écluse. » Je lui dis « T'es sûr que c'est une tête ?» Il me dit « Oh non, je suis pas sûr. » Je lui dis « Écoute, si c'est une tête, tu prends un seau puis tu la mets dedans. » Il me dit « Non, non, bon, enfin, il renaclait un peu à la besogne. » Je lui dis « Bon, ben écoute, j'arrive. » La tête, elle était complètement putréfiée. Il y avait un œil qui pendait, il y avait un bout d'oreille, la langue. Enfin bon, je vous passe les détails, mais elle avait été comme si elle avait été moulinée ou passée dans une hélice de bateau. Enfin, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. À partir de ce moment-là, les éclusiers se mettent à scruter le canal. Mais le 1er juin, ce sont des promeneurs qui découvrent dans le port Sainte-Catherine de Nancy un lambeau de corps, en l'occurrence un sexe masculin. Puis un morceau de sternum, puis des côtes. Et le même jour, dans l'écluse de Jarville, une autre pièce de ce puzzle sordide. Je regardais et j'ai trouvé un morceau de chair qui flottait. C'était bizarre. Ça a bougé, on a vu une main. Elle était coupée assez nette. Hein. Elle était blanche quand même, mais bon, elle n'avait pas l'air d'être beaucoup abîmée. Hein. Le 2 juin, l'inventaire macabre se poursuit. Sous le pont Gabriel Fauré, un deuxième pied, le pied gauche cette fois-ci. Et plus loin, 4 morceaux de chair. C'est certain désormais, le canal est en train de restituer en pièces détachées le corps d'un homme. Tous les morceaux recueillis sont immédiatement confiés à l'Institut médico-légal de Nancy. À première vue, le médecin pense au cadavre d'un suicidé ou d'un accidenté qui aurait été déchiqueté par des hélices de bateau. Mais après examen minutieux des lésions osseuses, le médecin légiste livre une nouvelle hypothèse. Il ne pouvait pas y avoir l'existence d'une telle lésion occasionnée par des hélices de bateau, de quelque nature que ce soit, parce que les sections étaient franches. Et d'autre part, on constatait l'existence de traits d'attaque utilisés à travers l'usage d'une arme blanche. Donc manifestement, il s'agissait bien d'une section occasionnée par un tiers dans la réalisation du dépeçage. La mort remonterait à 6 semaines, et c'est donc un crime. Le 7 juin, l'enquête est confiée à Claude Godefrin de la police judiciaire de Nancy. Une information judiciaire est donc ouverte. Le 9 juin, il recueille le témoignage des éclusiers. Ils se souviennent que 2 jours avant la toute première découverte, une drôle d'odeur se dégageait du canal. Il y avait une odeur dans l'écluse. On est venu voir ce que c'était. On a vu que des viscères. Donc on est venu avec une barque pour rattraper. On a tout pris.
On ne savait pas ce que c'était, si c'était des viscères. On pensait que c'était des viscères d'animaux. Bon, ces morceaux de chair ont été retirés du canal. Et les employés de la navigation les ont déposés et les ont placés dans des sacs poubelles. Ces sacs poubelles ont été ensuite jetés sur une décharge de la navigation entre Froire et Liverdun. Le commissaire Godefrin envoie alors ses équipiers fouiller la décharge. On est allé faire des recherches sur la décharge. Nous avons pu nous guider en suivant les mouches. Et nous avons retrouvé effectivement des morceaux de chair extrêmement putréfiés. Les restes découverts sur la décharge sont immédiatement apportés au médecin légiste. Jean-Jacques Placereau, à l'époque, vous êtes le patron de la police judiciaire à Nancy. Alors, ces viscères retrouvés sur la décharge, ils sont humains ou animaux ? Je vous dirai tout de suite, ces viscères sont humains. Hein, après un nouvel examen par le médecin légiste, il a été établi qu'effectivement, ça se situait dans la continuité de ce qui avait été déjà découvert dans le canal. Mais là, nous avons subi une nouvelle surprise. La première consistait à constater qu'il y avait eu que les os et les tendons avaient été sciés. Là, en l'occurrence, on se retrouvait avec trois rotules. Trois rotules, ça veut dire trois genoux. Trois genoux. Donc, automatiquement, il s'agit de deux personnes qui ont été ainsi découpées, jeté dans le canal et récupéré par la suite en plusieurs temps, comme vous le savez. À quand remonte la mort ? Qu'est-ce qu'il dit, le médecin légiste ? Le médecin légiste, le docteur Peton, dit que la mort remonte vraisemblablement à un mois et demi. Pour vous, donc, à ce moment-là, c'est un double crime, soyons clairs. Oui, dans la mesure où les membres sont découpés à la scie. Hein, là, ce ne sont plus les hélices des bateaux, mais effectivement, il s'agit d'un double crime. Est-ce que vous avez des pistes ? Non. Aucune ? À ce moment-là, aucune. Nous n'en avons aucune, mais nous comptons beaucoup sur la main qui a été retirée du canal le 1er juin. Et on espère que, peut-être, parviendra-t-on à identifier le propriétaire. Qui sont les victimes du canal de Nancy ? Les policiers cherchent dans les fichiers des personnes disparues, mais ça ne donne rien. Alors, il s'accroche à une pièce, maîtresse. La main droite retrouvée dans le canal. Certes, elle est très décomposée. L'épiderme est décollé à la surface des doigts. Mais il y a, à l'Institut médico-légal de Paris, un homme qui fait des miracles. Il est capable de restaurer des empreintes digitales, même sur une main très abîmée. Les épidermes étaient très fragiles parce que la vase avait été très destructrice. Elle s'était amarrée sur la couche cornée et donc elle avait créé des dégâts qui étaient considérables pour le dessin papillaire. Le dessin papillaire, autrement dit, les empreintes digitales. Jean-Jacques Delemarle tente de reconstituer petit à petit leur dessin en décollant une à une les particules de vase. Mais la surface de l'épiderme est très abîmée. Il y a des creux, il y a des bosses qui rendent l'empreinte inexploitable. Il faut donc raboter ces irrégularités pour ramener l'ensemble de la couche de peau sur un seul plan. C'est un travail qui s'est étalé sur 15 jours, mais on peut considérer que sur chaque doigt, il y a pratiquement une heure de travail. Au bout de 15 jours d'un travail minutieux, apparaît enfin une empreinte exploitable, qui est immédiatement transmise au fichier national automatisé des empreintes digitales. 2 millions de personnes sont répertoriées ici. Mais l'ordinateur ne trouve rien. Ce qui veut dire que le propriétaire de la main n'a pas de casier judiciaire. À moins que l'empreinte ne soit pas bonne, qu'elle soit trop déformée à cause de son séjour dans l'eau. Coup de chance, cette semaine-là, un nouveau logiciel vient d'arriver. Il permet de reconstituer des empreintes très déformées. Et là, miracle, l'ordinateur propose un nom. Il s'appelle Hans Gassen. Il a été condamné pour trafic de camions volés.
Il est allemand. Il a purgé 2 ans de prison au centre de détention de Saint-Mihiel, qui se trouve en Lorraine, pas très loin du canal. Donc le premier morceau du puzzle, la main droite, appartiendrait à Hans Gassen, un ancien taulard allemand. Mais les autres morceaux de corps sont-ils aussi des restes de ce Hans Gassen? Là, les policiers de Nancy font appel à la génétique. À partir de la main, ils déterminent l'empreinte génétique de la victime et ils la comparent à tous les autres morceaux retrouvés dans le canal. Résultat, tous les morceaux appartiennent à un seul corps, celui d'Hans Gassen. Tous, sauf la troisième rotule. Question donc, qui est la deuxième victime? Les policiers se disent que peut-être les deux personnes se connaissaient. En enquêtant sur Hans Gassen, ils espèrent donc découvrir l'identité du propriétaire de la troisième rotule. Et ils ont une piste. Gassen est sorti de prison il y a 1 an. Il est sorti le 27 août 1998. Gassen avait terminé sa peine, il a été libéré de la prison de Saint-Mihiel et immédiatement reconduit à la frontière allemande, interdit de séjour en France. Reste à savoir ce qui s'est passé entre sa libération de prison et la découverte 1 an plus tard de son cadavre dépecé. Dès qu'on sait qu'il s'agit de Gassen, on se met en rapport avec la police allemande, puisqu'il s'agit d'un ressortissant allemand, et on leur demande de faire des vérifications sur Gassen. Nos collègues allemands nous informent qu'en réalité, Hans Gassen, à sa sortie de prison, s'est installé chez un ami à lui, Hans Müller. Hans Müller a fait de la prison lui aussi, pour un braquage de banque à main armée. Et il a lui aussi été incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. C'est là qu'il a fait connaissance de Gassen. Tous les deux sont allemands, incarcérés en France. Ils deviennent rapidement amis. Alors peut-être ont-ils décidé de monter des combines ensemble à leur sortie de prison. L'enquête révèle que Gassen, qui n'avait pas de famille, s'est installé chez son nouvel ami Müller et sa femme à Salzgitter, en Allemagne. Gassen, c'était vraiment un bon ami pour nous. Plus, c'était comme un frère. Je ne peux rien dire d'autre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme s'il avait toujours été avec nous. Ça fait 1 mois que Gassen vit chez les Müller. Mais un matin, Müller est inquiet. Depuis la veille, il n'a aucune nouvelle de Gassen. Il se rend au commissariat de Salzgitter. Il veut remplir une déclaration de disparition. Les policiers s'étonnent. Après tout, Gassen n'est absent que depuis 24 heures seulement. Mais Müller insiste. Nous sommes le 22 mai. Dans 1 semaine, on retrouvera les premiers morceaux dans le canal. Müller n'a pas donné de détails particuliers, mais il a juste affirmé au commissariat de Salzgitter que son ami était parti le 21 mai au matin avec une voiture de location et qu'il n'était pas rentré le soir. Gassen disparaît en Allemagne et on le retrouve 1 semaine plus tard en France, dans le canal. Logiquement, les policiers cherchent à savoir ce qu'il était venu faire dans la région de Nancy. Peut-être Gassen connaissait-il quelqu'un. Les enquêteurs décident donc d'étudier les appels téléphoniques que Gassen a pu recevoir avant sa disparition, lorsqu'il vivait encore chez son ami Müller. Et là, c'est bingo. Les policiers ont eu une bonne intuition. On a bien téléphoné au domicile de Hans Müller depuis la France et notamment depuis la Lorraine. France Télécom a identifié 2 sources d'appels. D'abord, un certain Philippe Grossior a appelé depuis l'Axou plusieurs fois. Et puis, d'autres appels proviennent d'un foyer qui abrite parfois d'anciens prisonniers, le foyer Stoffer qui se trouve ici à Jarville, dans la banlieue de Nancy, à quelques dizaines de mètres du canal dans lequel on a retrouvé les morceaux de corps. Les policiers ont la nette impression d'être sur la bonne piste. Le foyer Jean Stoffer héberge des personnes seules et parfois des ex-détenus à leur sortie de prison. Il est situé à 100 mètres du canal où ont été retrouvés les morceaux de cadavres. Mais la majorité des appels téléphoniques vient de cette résidence de l'Axou, toujours dans la banlieue de Nancy, la résidence Europe. Le numéro depuis lequel on a appelé plusieurs fois Gassen et Müller en Allemagne est celui d'un certain Philippe Grossior.
Rossior, c'est un nom qui, effectivement, nous dit tout de suite quelque chose, puisque aux vérifications des archives, on sait rapidement que Grossior est en fait un alias utilisé très couramment par un individu qui s'appelle Nadir Sedrati. Les vérifications sur Sedrati laissent apparaître qu'il s'agit d'un escroc très connu, hein, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des escroqueries et puis pour avoir usurpé l'identité de tierces personnes. Et on sait très rapidement qu'il a été effectivement condamné en dernier lieu à 5 années d'emprisonnement pour escroquerie, usurpation d'état civil, et qu'il a été libéré du centre de détention de Saint-Mihiel en mars 1999. Voilà qui est intéressant. Nadir Sedrati a été en prison avec Gassen et avec Muller. Et a priori, si on en croit les appels téléphoniques, les trois anciens détenus sont restés en contact après leur libération. Ce Nadir Sedrati est donc tout de suite un suspect. Mais les policiers s'intéressent en parallèle à la seconde source des appels téléphoniques vers l'Allemagne, le foyer Stauffer. On va ensuite au foyer Stauffer dans la foulée et on montre des photographies, notamment celle de Sedrati, alias Grossior. Le directeur du foyer nous dit tout de suite « Mais ce gars-là, je le connais, il s'agit de Nadir Sedrati et Nadir Sedrati a une chambre au foyer Stauffer ». Les deux pistes, le foyer Stauffer à Jarville et la résidence de l'Europe à Lacsou, se rejoignent donc. Un seul et même homme était en contact téléphonique avec Gassen et Muller, Nadir Sedrati. À un moment donné de l'enquête, vous découvrez donc qu'un certain Nadir Sedrati appelle régulièrement Gassen et Muller, puisque Gassen vit chez Muller. C'est-à-dire que quand on tape le nom de Sedrati au fichier, ça fait ding-ding tout de suite, hein ? Ben oui, même d'ailleurs son alias, parce que d'abord c'est son alias qui est apparu, c'est Grossior Philippe. Et Grossior Philippe, en consultant nos archives, c'était l'alias habituel de Sedrati. Sedrati est pour vous le seul suspect, ou bien est-ce que, dans votre esprit, il y en a d'autres qui méritent non, il est fortement qu'on s'intéresse à eux ? Il est très fortement un suspect, vu ses antécédents. Il est très fortement un suspect, mais il est évident que nous n'excluons pas totalement le cas Muller aussi. C'est pas un enfant de cœur, hein, Muller non plus. Ce n'est pas un enfant de cœur, c'est un repris de justice. Il avait été arrêté pour vol à main armée. C'est un braqueur, quoi. Hein. C'est un braqueur. Enfin bref, vous décidez de les interpeller tous les deux. Oui, nous avons. Chacun dans leur pays. Voilà, nous avions, avec la coopération de nos homologues allemands, nous avons fait en sorte de monter une opération conjointe, à la fois au domicile de Sedrati à Lacsou et d'autre part à Salzgitter en Allemagne, pour de façon à les avoir tous les deux en même temps en garde à vue et de pouvoir confronter leurs déclarations respectives. 21 juillet. Côté France, la police judiciaire de Nancy décide d'interpeller Sedrati. Une première équipe débarque au foyer Stauffer. Une autre équipe, emmenée par le commissaire Godefrin, se rend à la résidence de l'Europe, à Lacsou. Les 7 heures du matin, nous pénétrons dans l'immeuble et au moment où nous sommes dans l'entrée de l'immeuble, un type sort de l'ascenseur, c'est Nadir Sedrati qu'on reconnaît immédiatement puisqu'on a sa photographie. Donc Sedrati, au moment où il s'apprête à franchir la porte de l'immeuble, on l'interpelle, on lui dit Monsieur Sedrati, bonjour, police judiciaire, on a besoin de vous poser des questions. Immédiatement, on lui passe les menottes dans le dos. Hein. Sedrati ne réagit absolument pas, il n'imagine pas à l'instant qu'il peut être interpellé à cet instant. Donc ça se passe bien. Au même moment, en Allemagne, les officiers du commissariat de Salzgitter débarquent au domicile de celui qui est évidemment un autre suspect, Hans Müller, le copain de Gassen. Le 21 juillet, ça oui, je m'en souviens, on a tous été entendus, ma fille, mon mari et moi. Mon mari et ma fille, ils les ont sortis chacun de leur chambre. Quant à moi, ils sont venus me chercher au boulot. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé que Gassen avait été assassiné. Bien sûr, ça a été un sacré coup dur. Avant d'emmener toute la famille Muller au commissariat, les policiers allemands fouille l'appartement.
Pendant la perquisition, nous n'avons rien trouvé du tout qui aurait pu indiquer, ou en tout cas qui aurait pu apporter une explication sur la disparition de Gassen. Il avait sans aucun doute quitté l'Allemagne, mais ses objets personnels, plusieurs valises avec des vêtements, tout ça, il l'avait laissé derrière lui. Après la perquisition, toute la famille est emmenée au commissariat pour y être interrogée. Car en dépit des apparences, ce Müller a des choses à cacher. Et d'abord, pourquoi a-t-il déclaré aussi vite la disparition de son meilleur ami ? Hans Müller est placé en garde à vue et sommé de s'expliquer. Monsieur Müller, le jour où les policiers débarquent chez vous, comment ça se passe ? Ils sont rentrés en me disant qu'ils sont là pour, à cause de la mort de Hans Gassen. C'était la première fois que j'ai entendu qu'il était mort. Ils vous annoncent sa mort ? Oui. Et en même temps, ils vous soupçonnent de l'avoir tué, c'est très clair. Vous le sentez comme pas ça ? Pas directement, mais la façon comment ils ont rentré chez moi, avec, je sais pas moi, avec un commando de police spécial, la SEK, ça s'appelle chez nous, avec un chien, deux policiers français aussi. Alors ils fouillent l'appartement, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils vous le disent ? Ils disent rien, ils cherchent des traces de la mort de Hans Gassen. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des traces de corps humain. Oh, ça, oh, des oui, morceaux de corps. Oh, mais... quelque chose comme ça. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, comme bêtise là. Et vous, vous êtes choqué par l'annonce de la mort de votre copain Gassen ? Bien sûr, parce que je ne me suis pas attendu à ça. Hein. Ce qui intrigue les policiers à l'époque, et qui continue de nous intriguer, même nous aussi aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous signalez la disparition de votre ami Hans Gassen 24 heures après qu'il ait disparu ? Parce que lui, chaque fois quand il était en route quelque part, et quand on n'était pas ensemble, on se téléphonait au moins une dizaine de fois par jour. Pendant que les policiers allemands cuisinent l'ancien taulard, les policiers français, eux, se lancent dans une très longue perquisition. Ils fouillent l'appartement de Cedrati pendant plus de 7 heures. On est choqué par la présence dans la cuisine d'un broyeur à végétaux. C'est pas la place habituelle d'un tel outil qui représente quand même un certain volume. Une broyeuse à végétaux située dans une cuisine d'un appartement situé au deuxième étage d'une résidence qui ne comporte pas de jardin privatif nous a fait nous poser les premières questions. Sur le plan de travail de la cuisine se trouve un étau. C'est pareil, c'est pas tellement la place habituelle de ce genre d'outils. On poursuit la perquisition, on trouve des outils, notamment un couteau, des scies de boucher. Enfin, vraiment, il y avait la panoplie de celui qui veut découper ou du gibier ou autre chose. Dans la cuisine, ce qui nous frappe immédiatement, c'est qu'il y a de multiples taches de matière brunâtre. On se doute qu'il s'agit de sang, mais au départ, on ne le sait pas. C'est des taches séchées d'une matière brunâtre. Vous avez des taches de sang un peu partout, autour de l'évier, sur les carrelages, sur les planches du meuble sous évier, sur le sol, vous avez des taches, quelques petites taches au mur. Sur le carrelage de la cuisine était disposé un lino collé avec du papier collant brun sur la plainte de carrelage. Lorsque nous avons enlevé ce papier collant brun et que nous avons soulevé le lino, une odeur nauséabonde nous a montré qu'il y avait effectivement quelque chose à découvrir sous le lino. Et en fait, c'était une énorme tache de sang qui était en train de se décomposer. Près de la cuisine, il y a un bureau. Le bureau d'une société, Inter-Europe Diffusion, une société de transport routier. Intéressant, Gassen était chauffeur poids lourd. Cette entreprise, Inter-Europe Diffusion, a été créée par Cedrati, mais le bureau ne révèle pas une intense activité de transport.
Dans le meuble bureau de Cedrati, on trouve de multiples documents qui sont manifestement des faux documents constitués au nom de d'autres personnes. On retrouve des documents au nom de Gassen. On retrouve des documents au nom de Steyl Gérard et également des documents et des effets personnels d'un nommé Ronfort Norbert. Autrement dit, les papiers de la victime et ceux de deux inconnus. Quelles relations peuvent-ils avoir avec Cedrati? Quelles sont les relations de ces gens avec l'énigmatique société Inter-Europe Diffusion? Et puis, dissimulé dans les coussins du canapé, les enquêteurs trouvent un sac plastique. Il contient un bocal de poudre blanche. À l'ouverture, il nous a semblé dans un premier temps que c'était des cristaux ressemblant à de la cocaïne. Personne, aucun collègue ne s'est amusé à goûter la poudre en question pour savoir s'il s'agissait d'héroïne, de cocaïne ou d'autre chose. Cedrati est immédiatement emmené au poste de police. Il est placé en garde à vue. Cedrati, donc, est placé en garde à vue. Quelles sont les questions qui lui sont posées? Alors, les questions, bon, directement, on a essayé de voir un peu comment, quelles étaient ses relations, d'abord avec Gassen, puisque Gassen était identifié, et automatiquement avec Müller. Alors là, ben, il nous a dit qu'il avait, oui, il était resté effectivement en relation, mais c'était une relation concernant des arnaques, comme il disait, à l'emploi. Hein, lui il ne cache pas qu'il était escroc. Mais après, quand on arrive à des, disons, à des questions plus sérieuses, alors là, il se défausse complètement. Il se défausse complètement. Dans un premier temps, d'ailleurs, nous ne parlons pas de Gassen. On lui demande simplement quelles étaient ses relations avec Gassen et avec Müller. Alors là, Gassen, il dit quoi? La dernière fois qu'il les a vus, ça se situait vers la fin du mois de mai. Ils étaient venus tous les deux. Et puis au bout d'un moment, Cedrati, bien sûr, ne connaissait pas le but de leur visite. Mmh. Et au bout d'un moment, il y a deux Hollandais, deux Marocains, qui arrivent également chez Cedrati. Et là, il y a une forte dispute qui éclate. Hein. Et Cedrati, voyant la tournure des événements, lui s'en va. Alors là, oui, il se dit, mais peut-être, oui, au cours de cette, dispute, ils en ont peut-être saigné un en parlant de Gassen et de Müller à propos d'un Marocain ou de Hollandais. Il a pu y avoir un mort, mais c'est pas moi. Il ne sait pas. Pour l'instant, on n'en parle pas. Il y a une forte dispute. Lui, il est parti. Il y a des traces de sang un peu partout. Il y a la broyeuse. Il ne sait pas. Hein, il a remarqué, il ne sait pas. Et alors là, évidemment, on passe à une deuxième version. Parce que quand même, on l'a prévenu que Gassen était mort. Qu'on avait retrouvé des restes de Gassen dans le canal, identifiés par sa main droite. Alors là il change quand même un peu d'attitude. Hein, et il dit que, oui, effectivement, il y a eu une grosse dispute entre les six participants, les deux Hollandais, les deux Marocains, Gassen et Müller, et que Müller, soudainement, a porté un coup de couteau à Gassen. Bref, l'impression générale qui se dégage à ce moment-là de la garde à vue, c'est qu'il ment depuis le début. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, et surtout qu'il esquive. À la fin de la garde à vue, vous le présentez à un juge d'instruction, et puis il est mis en examen. C'est-à-dire que l'impression générale, c'est qu'on tient le bonhomme. Oui. Cedrati accuse Müller d'avoir tué Gassen dans le cadre d'un trafic de drogue. Les policiers, eux, ne le croient pas du tout. Et puis il y a cette broyeuse à végétaux. À quoi a-t-elle pu servir ? Sur la broyeuse, on a retrouvé des traces d'une matière inconnue. Les analyses sont en cours. En Allemagne, interrogé sur le scénario révélé par Cedrati, Müller nie farouchement. Il n'a pas tué Gassen. Dans les journaux locaux, ils ont appelé mon mari le tueur à la broyeuse de Salzgitter. Mais pourquoi mon mari aurait-il tué Gassen alors qu'ils avaient prévu de faire des affaires ensemble? Je vous prie de me le dire, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison.
Mais pendant sa garde à vue, Müller se contredit à de multiples reprises. De toute évidence, il a des choses à cacher. Sans doute ses fameuses affaires qui le lient à Gassen. Il n'est pas non plus très loquace sur ses relations avec Sedrati. Il voulait nier les liens qu'il y avait entre lui et Sedrati. Il disait que Sedrati, bien sûr, il en avait entendu parler, mais qu'il n'avait rien de prévu avec lui, que l'un et l'autre n'étaient pas en contact. Or, pendant la perquisition de l'appartement, on a pu noter sur sa porte d'entrée qu'il y avait une plaque de société, une plaque indiquant que Müller avait créé une société de transport routier. Une société qui s'appelle Inter-Europe Diffusion et dont le siège se trouve chez Sedrati, à Laxou, près de Nancy. Voilà qui vient relancer la version donnée par Sedrati. Il a prêté son appartement à Müller, qui menait avec Gassen des affaires frauduleuses. Sedrati, lui, se serait contenté de prêter les lieux et habiterait en réalité au foyer Stauffer. Chez vous, Hans Müller, les policiers découvrent une plaque de la société Inter-Europe Diffusion, qui est la société fictive de Sedrati. Quel type d'affaires est-ce que vous faisiez, Sedrati et vous? Pas de tout encore. Là, le nom Inter-Europe Diffusion, ça m'a plu, le nom. Mm. Et j'avais déclaré une petite société à mon nom, et puis j'avais voulu rajouter après ce nom là-dessus, ça faisait bien ça. Bon. Ça faisait chic. C'est tout. Avec Sedrati, il m'a proposé, il est venu chez moi, et il m'a proposé une affaire, mais je trouve ça un peu louche, mais je l'ai laissé parler. Il dit, lui, Sedrati, que l'appartement de Laxou, c'est pas lui qui l'utilisait, c'est vous. J'ai jamais été là-bas. C'est pas vrai, j'étais une fois avec Hans Gassen là-bas pour le visiter, c'est tout. Concernant cet appartement, Sedrati dit carrément que vous avez tué Gassen, oui, je sais. Dans l'appartement. Oui, je sais. Il a dit ça. Il a dit beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises, peut-être. Mais dans la chambre de Sedrati, au foyer Stauffer, on n'a retrouvé aucun élément à charge. Pas de sang, pas de couteau, pas de scie, pas de drogue. Sedrati se dit plus que jamais innocent. Il estime même qu'il a été manipulé, que ces gens-là sont venus, dans le cas d'une affaire de drogue, réaliser un règlement de compte en France et qu'on cherche aujourd'hui à lui faire porter le chapeau. De la drogue? De l'héroïne ou de la cocaïne? Justement, les policiers viennent de recevoir les résultats de l'analyse de la poudre blanche saisie chez Sedrati. Nous avons donc reçu environ 1 kg de poudre blanche. Cette poudre blanche totalement inconnue, il a fallu la manipuler avec énormément de précautions pour rechercher en fait son identité. Donc nous avons réalisé toute une batterie de tests par différentes technologies et au bout du compte, nous avons pu identifier de façon absolue la présence de cyanure. Voilà donc qui vient refermer la piste du trafic de drogue. Et si Gassen avait été empoisonné? Tout porte à croire que le poison retrouvé dans l'appartement de Sedrati fait partie, comme les couteaux, comme les scies, comme la broyeuse, d'un arsenal meurtrier. Les morceaux de cadavres du canal sont analysés. Nous avons reçu toute une série de prélèvements humains retrouvés dans le canal. Par de nombreuses technologies, nous avons pu caractériser une concentration anormalement élevée dans tous les prélèvements remis de cyanure, ce qui peut permettre donc le rapprochement avec la poudre blanche saisie. Gassen est donc bien mort, empoisonné. Sedrati a menti. La thèse du coup de couteau par un Müller furieux ne tient plus. L'arme du crime, c'est le poison, c'est le cyanure. Reste à savoir qui l'a acheté, Müller ou Sedrati. Dès qu'on a su que c'était du cyanure, on a fait des recherches dans le Grand Est pour savoir où on pouvait se procurer du cyanure. Donc c'est un collègue du SRPJ qui a fait toutes ces recherches. Et on est tombé sur un grossiste de la région de Nancéenne qui était chargé de dépanner un petit peu tous les autres commerçants du Grand Est. Et immédiatement, on a su que le cyanure avait été acheté par un dénommé Royer auprès de cette société. Joël Royer, c'est bien vous, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous vous appelez Joël Royer? Bien, Joël Royer, oui. Depuis quand est-ce que Nadir Sedrati utilise votre identité et se fait appeler Joël Royer?
Depuis l'année 93. Quelqu'un vivait confortablement sous le nom de Joël Royer. Joël Royer. Puis il avait monté une société. Je ne sais pas si vraiment il avait activé avec ou pas. À chaque fois, vous allez porter plainte à chaque fois, j'étais porté trois fois plainte de suite. Mais vous ne savez pas contre qui? J'avais porté plainte contre X. Chaque fois, je portais plainte contre X. En 95... Il est condamné? Il est condamné. Je passe au tribunal à Strasbourg, donc il est condamné. Pour avoir usurpé votre identité. Voilà. Et donc, vous avez la paix pendant quelque temps, là? Je l'ai la paix jusqu'à quelque temps, jusqu'à 99. Et là, arrive cette histoire de cyanure. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient vous voir et on vous dit que vous avez acheté, vous, du cyanure. Du cyanure, voilà. Et là, vous leur dites quoi, vous? Je ne dis pas du tout. Je ne vois pas pourquoi j'ai acheté le... Mais ici, vous avez acheté ça. Je ne dis pas du tout, je n'ai pas acheté ça. Nadir Sedrati est donc l'homme qui a acheté le cyanure en usurpant l'identité de Joël Royer. Il en a acheté un kilo. Mais comment le poison a-t-il été administré? Le cyanure a un petit peu cette amertume, un goût astringent, pas particulièrement agréable, et ensuite qui va un petit peu brûler la langue, puisque c'est un caustique. Donc le meilleur endroit pour le dissimuler, c'est probablement dans le café. Les tasses de café retrouvées pendant la perquisition dans le bureau d'Inter-Europe Diffusion ont peut-être servi à cela. Peu à peu. Le scénario diabolique qui s'est joué chez Sedrati à l'Axo se précise. 21 mai 99. Gassen est là, dans le bureau d'Inter-Europe Diffusion. Une petite tasse de café, et cinq minutes plus tard, il suffoque et s'écroule. Puis, quelqu'un dépèce son cadavre. À en croire le médecin légiste, le meurtrier connaît bien l'anatomie, car la découpe est propre, méthodique. Ensuite, les morceaux sont jetés dans le canal. Combien de temps sont-ils restés dans l'eau? La main, les rotules, semblent avoir baigné dans le canal une semaine, mais la tête beaucoup plus. Au moins six semaines, dit le médecin légiste. Les policiers sont perplexes. Pas longtemps. Car dans la cave de Sedrati, on a retrouvé ceci. La chaux vive a pour principale caractéristique de brûler les tissus organiques. Et on voit tout de suite l'intérêt que ça peut représenter pour quelqu'un qui veut faire disparaître un corps. Après avoir su que c'était de la chaux vive, on a supposé que la tête avait été traitée de façon à retarder son identification. La chaux, le cyanure, il y a donc eu préméditation. Et tout ça a été retrouvé chez Sedrati. L'étau se resserre donc autour de lui, mais il continue de charger Muller. Il faut donc les confronter. Or, l'Allemand refuse de venir en France où il craint d'être rattrapé par de vieilles affaires. Une confrontation est donc organisée dans un commissariat binational situé juste sur la frontière franco-allemande. La table marque la frontière. Sedrati s'assoit côté français et Müller côté allemand. On avait pris quand même pas mal de précautions. Parce que nous avions affaire à deux individus qui n'étaient pas des tendres. Et heureusement, la table était suffisamment large pour qu'ils ne puissent pas s'atteindre chacun de leur place respective. Accompagné de son épouse, Müller arrive le premier. Il répète sa version des faits. Le 20 mai 99, les Müller fêtent l'anniversaire de Gassen et lui offrent une chemise jaune. Puis, Müller raconte qu'au milieu de la nuit, sans avoir prévenu personne, Gassen quitte l'appartement. À 4 heures, Madame Müller, qui travaille dans une boulangerie, se réveille. Il était parti. Je le sais parce que la chemise jaune qu'on lui avait offerte, eh bien la veille au soir, elle était posée sur la table avec ses chaussettes et sa cravate. Or, quand je me suis réveillée, tout ça n'était plus là. Lorsqu'il se réveille, Müller s'étonne de l'absence de Gassen. Il tente alors de le joindre sur son portable.
Et il lui demande « Mais t'es où ?» Gasson lui répond « Je suis en route pour Nancy, je vais voir Cedrati, on doit conclure une affaire ensemble. » Müller lui dit « Mais t'es fou, tu connais pas la langue. » Gasson lui répond « Mais il y aura des Marocains et des gens de Paris qui parlent l'allemand, ça ira, on se débrouillera. » Quelques heures plus tard, Gasson rappelle Müller pour lui dire qu'il est arrivé à Nancy et qu'il va monter chez Cedrati. Il promet de rappeler. Mais il ne rappelle pas. Alors Müller tente de le joindre. Pas de réponse. Müller s'inquiète. Il téléphone à Cedrati. Cedrati décroche. Il lui confirme que Gasson est bien arrivé chez lui. Mais lorsque Müller lui a demandé à parler à Gasson, Cedrati lui a dit « Ah non, je ne peux pas, il se sent pas bien ». Mon mari répond « Je ne comprends pas. Il a pourtant l'habitude de rouler la nuit avec des camions. Je ne comprends pas. Donne-lui une tasse de café et il sera de nouveau sur pied. » Sur ce, Cedrati répond « Ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Il a déjà bu le café. » Au cours de la confrontation, Müller raconte qu'ensuite, il n'est jamais plus parvenu à joindre son ami. Sa version est confirmée par les relevés téléphoniques. Ce jour-là, il a bien appelé Gasson, puis Cedrati, depuis son domicile. Il ne pouvait donc pas être à Nancy, et donc il ne pouvait pas tuer Gasson. Les faits accablent Cedrati, qui perd son sang-froid. Cedrati, à l'occasion de cette confrontation, a fini par se découvrir et découvrir sa véritable personnalité. À un certain moment, il s'est levé extrêmement menaçant. Il était enragé. Il accusait mon mari en lui disant que c'était lui qui avait tué Gasson. Il voulait renverser la table sur nous. Alors tous les policiers sont entrés dans la salle. Enfin bref, c'était une vraie catastrophe. Déjà écroué et mis en examen depuis le 23 juillet, Cedrati retourne en prison. Quand Cedrati est passé près de moi, j'étais protégé par les policiers. Et je me suis rendu compte que sous son pull, il portait la chemise jaune que j'avais offerte à Gasson pour son anniversaire. C'est la pire des choses que j'ai vues. J'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous avez une déclaration à faire ? Je n'ai pas envie de discuter là-dessus, sur cette affaire. Un bon ami se fait tuer par une espèce d'ordure. Je ne peux pas le dire autrement. Müller repart furieux, mais libre. Pendant toute cette période, vous, avant la disparition de Gasson, ouais. Vous vous méfiez de Cedrati ? Pas tellement, pas tellement. Ou alors il vous a embobiné un peu ? Non, bon, d'accord, je reconnais qu'il... Parce que c'est un bon baratineur, celui-là. Il n'y a pas de doute. Alors, mais je ne me suis pas méfié directement. Ma femme me dit après, elle avait le soupçon, parce qu'il est venu la deuxième fois chez nous. Elle m'a dit, moi, je ne veux pas qu'il dort chez nous. Je ne veux plus le voir ici. Elle ne sentait pas, hein ? Je ne peux pas expliquer. Elle ne peut pas l'expliquer. C'était, comment on dit, la santé qui n'était pas bien, quoi. Bon, et plus tard, après tout ce théâtre, hein, elle m'a dit une fois, je suis sûr qu'il a voulu nous tuer aussi, tous les deux. D'après vous, si Cedrati est bien l'assassin de Hans Gasson, pourquoi il l'aurait tué ? C'est ce qu'on se demande aussi. Mais on m'a dit, bon, ben parce qu'Hans Gasson avait toujours relativement beaucoup de l'argent sur lui. Et donc Cedrati, au fond, le seul mobile pour tuer Gasson, je suppose, ce serait l'argent. C'était l'argent, je suppose. À ce moment-là, donc, Dominique, les policiers cherchent dans le passé de Cedrati. Et ils ont la surprise de découvrir qu'il a déjà été mis en cause, impliqué, dans deux affaires. Deux affaires très sérieuses, Christophe. Deux affaires dont une va lui valoir de comparaître devant une cour d'assises. C'est l'affaire Gachy. André Gachy, c'est un enseignant retraité, dépressif, qui va croiser la route de Cedrati. Hein. Un jour, cet enseignant disparaît, mystérieusement, en 1982. Ses papiers, son chéquier, son identité, tout a disparu et quelqu'un va s'installer dans sa vie. Et c'est Nadir Cedrati.
Une enquête va avoir lieu, Cédrati va être jugé par la cour d'assises de la Gironde et il va être acquitté. Parce qu'en fait, on manque d'éléments, le corps d'André Gachy ne sera jamais retrouvé et Cédrati va être acquitté au bénéfice du doute. Deuxième affaire, c'est l'affaire Krauss. C'est exactement le même scénario. Léon Krauss, c'est un vieux monsieur qui habite Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, et qui disparaît en 1994. Et là encore, enquête, on découvre que Cédrati s'est installé dans sa vie, dans son appartement. Il a revêtu l'identité de Léon Krauss. Là, il bénéficiera d'un non-lieu. Même chose, on n'a pas de corps, on peut pas, les enquêteurs n'ont pas retrouvé le corps. Donc, il va bénéficier d'un non-lieu pour le meurtre. En revanche, Cédrati va être condamné à 5 ans de prison, c'est très très lourd, pour usurpation d'identité. C'est-à-dire que, quelque part, la justice va trouver une côte mal taillée. Jusqu'ici, donc, Nadir Cédrati n'est officiellement qu'un escroc. Mais depuis longtemps, les policiers le soupçonnent d'être aussi un meurtrier. Et là, ils se disent, ça y est, il est cuit, il est coincé, on va le faire plonger. C'est compté sans l'inventivité de Cédrati qui tente une nouvelle manœuvre. Un matin, dans la prison où est incarcéré Cédrati, un gardien s'aperçoit que quelque chose n'est pas normal. Le prisonnier a tenté de se pendre avec les draps de son lit. Il reprend rapidement connaissance. Son suicide est raté. Mais à partir de ce moment-là, Cédrati a un comportement étrange. Un psychiatre est immédiatement nommé pour une expertise. À la maison d'arrêt de Nancy, je suis en présence d'un sujet qui connaît un mode de vie un peu particulier depuis son incarcération, puisque son mode d'alimentation se limite à l'absorption de ses sels et puis à consommer ses urines, à absorber ses urines. Les conclusions de l'expert, tant sur le suicide de Cédrati que sur ses nouvelles manies alimentaires, sont sans appel. On peut dire qu'il fait semblant, on peut dire qu'il y a chez lui un caractère simulateur. Le but de la simulation étant de manipuler, étant toujours d'obtenir des bénéfices secondaires. Et le bénéfice secondaire, c'était en l'occurrence d'échapper à la justice en se faisant passer pour fou. Ainsi, pendant une reconstitution, Nadir Cédrati tire la langue au photographe. Et pourtant, les psys sont formels. Il est totalement responsable de ses actes. Le juge d'instruction veut comprendre le parcours de cet homme. Il commande une enquête de personnalité. L'enfance du jeune Nadir, c'est la guerre, celle de 39-45. Il a 6 ans. Son père algérien vient de mourir. Sa mère n'y arrive plus. La vie est dure et Nadir se met à chaparder chez les voisins, chez les maquisards, chez les Allemands. Un jour, Madame Cédrati, dépassée, conduit ses deux fils, Miloud et Nadir, dans une grande bâtisse près d'Annecy. C'est un orphelinat dirigé par des religieux. Nadir a 7 ans. Le père Henri se souvient de lui. Son faciès n'était pas souriant. On sentait qu'il était marqué par la vie d'enfance de sa famille. D'ailleurs, il n'en parlait pas. Le frère de Nadir, Miloud, est rapidement renvoyé pour violence. Nadir, par contre, est sage comme une image. Il perd contact avec les siens et finit de grandir seul, sans même se souvenir de son vrai prénom. Il a reçu le baptême chez nous et on lui a donné le nom de Dominique Cédrati, de Dominique à la place de Nadir. Et Nadir va grandir en étant persuadé qu'il s'appelle Dominique et qu'il est français. Un jour, il apprend la vérité, il est algérien et il s'appelle Nadir. En 57, il a 19 ans et il s'engage chez les parachutistes. Très vite, il se fait remarquer. Il est renvoyé pour avoir monté une arnaque. Ses supérieurs l'estiment capable du pire. Après l'armée, le jeune Nadir écume les routes. Il sera condamné une quinzaine de fois pour arnaque en tout genre dans plusieurs grandes villes de France. Quand il le peut, pour éviter la prison, il se fait passer pour fou et se fait interner
en hôpital psychiatrique. À l'occasion d'une hospitalisation psychiatrique, il s'était enduit de miel, il s'était mis au milieu du parc de l'hôpital psychiatrique en question. Et la finalité de son comportement, c'était de se protéger d'extraterrestres éventuellement qui risquaient d'atterrir pour lui porter préjudice, pour lui faire du mal, par exemple. Cet escroc, manipulateur et voleur d'identité, peut-il être aussi un meurtrier? Les psychiatres pensent que oui. Pour eux, Nadir Sedrati est un pervers d'une dangerosité extrême. Fernand Schier est le juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur le dépeceur du canal. Fernand Schier, j'aimerais que vous me racontiez votre première rencontre avec Nadir Sedrati. La première fois que je l'ai vu rentrer dans mon cabinet, j'étais là avec la greffière et je le vois entrer avec des menottes, des entraves aux pieds, et puis il me dit « Voyez ce qu'ils me font, monsieur le juge ». Alors évidemment, dans un cabinet de juge d'instruction, on enlève toujours les menottes, les entraves. Simplement, comme c'était un individu certainement signalé dangereux pour l'escorte, ils avaient pris toutes leurs précautions. Mais à ce moment-là, il est dans le déni complet. Dans le déni. Son discours, ce sera durant toute l'instruction, puisque je le connaîtrai pendant 2 ans. Ce sera toujours « Je suis un escroc, je n'ai pas tué, c'était Muller », etc. Et chargé toujours Muller. Sur quel ton est-ce qu'il vous dit ça? Alors, moi, ce que je voulais surtout, c'est avoir un contact, qu'il discute, qu'il parle, qu'il s'explique, etc. Et alors, lorsqu'il parlait, là, il était très méfiant. Parfois, il lui arrivait de s'emballer. Et puis, quand il s'emballait, il s'embrouillait quelque peu et il l'arrêtait. Mais il était très, très méfiant. Hein, je le sentais très méfiant. À un moment donné, je crois, il vous demande de bien vouloir mettre à sa disposition en prison la broyeuse à végétaux. Ça donne l'impression d'un fou. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne savais jamais... je lui ai dit, mais êtes-vous sérieux? Est-ce que vous demandez sérieusement qu'on vous restitue cette broyeuse? Alors lui, il m'avait dit, vous imaginez pas que je vous laisserai, que cette broyeuse pourra trôner dans la salle d'assises. Donc là, j'avais constaté qu'il anticipait, etc. Et puis je lui avais dit que c'était pas sérieux. Et puis là, il me répondait, mais je suis sérieux, je veux que ce me soit restitué cette broyeuse. Alors cela dit, au moment où vous commencez à l'interroger, l'enquête, elle, se poursuit, parce qu'il y a la troisième rotule, c'est-à-dire qu'on soupçonne une autre victime. Le deuxième cadavre. À son sujet, les enquêteurs sont toujours dans le brouillard. Ils n'ont qu'une seule certitude. Il a subi le même sort que Gassen, empoisonné sans doute par une tasse de café au cyanure. On a trouvé des traces de poison sur la troisième rotule. Puis, il a été dépecé et jeté dans le canal. Mais qui est-il? Au moment de l'arrestation de Sedrati, comme nous avions retrouvé des éléments au cours de la perquisition sur Gérard Steil et Norbert Ronfort, peut-être ce cadavre s'identifiait-il en soit Gérard Steil, soit Norbert Ronfort. Il fallait nous en assurer. Et la surprise. Après des recherches, on s'aperçoit que ces deux-là, Ronfort et Steil, ont fait de la prison, eux aussi. Mieux, ils ont été incarcérés en même temps que Nadir Sedrati, dans la même prison. Et les deux hommes ont disparu depuis leur sortie de prison. L'un d'entre eux a-t-il fini au fond du canal? Pour mettre un nom sur le cadavre, il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'analyse ADN. Il nous fallait donc retrouver des membres de la famille de Norbert Ronfort et de Gérard Steil pour faire des comparaisons d'ADN avec les restes découverts dans le canal. Mais Gérard Steil a été adopté. Personne ne connaît sa famille biologique. On finit tout de même par retrouver ses demi-sœurs. Elles ne connaissaient pas l'existence de ce frère, mais elles acceptent immédiatement de faire un prélèvement ADN. Quant à Ronfort, condamné pour une affaire de mœurs, sa famille a rompu les ponts avec lui. Ses enfants acceptent néanmoins de se soumettre à un prélèvement. Maintenant, il faut attendre le résultat des analyses. Mais le canal a peut-être d'autres secrets à livrer. Depuis la découverte des premiers morceaux, le commissaire Godefrin songe à le faire vider, au cas où il recèlerait d'autres morceaux qui pourraient faire avancer l'enquête. Une vidange du canal est organisée. À Nancy ce matin,
le canal de la Marne a peut-être révélé une nouvelle partie de ses macabres secrets. Le tibia. Tibia, fémur, humérus, omoplate, la pêche est presque miraculeuse. Les os découverts sont immédiatement soumis au médecin légiste. Son verdict est sans appel. Les os ont bel et bien été sciés. Mais à qui appartiennent ces nouveaux restes humains? À un moment donné, vous décidez de faire vider le canal dans l'espoir de retrouver d'autres restes humains. La pêche est miraculeuse. Tout à fait. On a pris l'opportunité qu'ils avaient de faire des travaux d'entretien des berges pour faire ensuite une recherche qui, là, nous a amené d'autres morceaux, notamment, je me souviens, il y avait une omoplate, un humérus, un tibia. Et c'est de savoir si tous ces restes humains retrouvés appartiennent au cadavre de Gassen, qui n'était pas complet, ou pas. Voilà. Donc la majorité des membres retrouvés appartiennent ? Appartiennent à Gassen. Oui, mais... Sauf une, c'est l'omoplate qui va donner une autre empreinte génétique qui n'appartient pas à Gassen. Mais on fera des comparaisons avec d'autres indices trouvés déjà dans l'appartement, sur les scies, sur les couteaux, etc. Et ce sera la même empreinte génétique. On peut donc imaginer que l'omoplate soit l'omoplate de la deuxième victime de Cedrati. Ou d'une autre victime de Cedrati. D'une autre victime de Cedrati, tout à fait. Peut-être l'homme à la rotule, la fameuse troisième rotule qui intriguait tant. Tout à fait. Et d'autre part, nous avions trouvé dans l'appartement de Cedrati des papiers au nom de Stel, et tout comme on a retrouvé des documents aussi au nom de... Norbert Ronfort. Et alors là, tout le travail va être un travail de fond qu'ont fait les enquêteurs pour retrouver des membres de la famille de Stel. Et ensuite, donc, on fera leur identification génétique qui nous donneront une réponse positive. Donc, à ce stade de l'enquête, le juge d'instruction et les policiers sont à peu près certains que Cedrati a tué Hans Gassen. Et ils se font une idée assez précise du scénario de l'assassinat. Pour ce qui est de Gérard Stel, là encore, ils ne se font pas beaucoup d'illusions. Lui aussi est sans doute passé par la planche à découper de Cedrati, mais il manque des morceaux humains et ils n'ont aucune idée du scénario de son meurtre. Enfin, ils soupçonnent Cedrati de s'être débarrassé de Norbert Ronfort, mais là, pas de cadavre. Les enquêteurs prennent les dossiers dans l'ordre et dans l'immédiat, ils s'intéressent au cas de Gérard Stel. Gérard Stel sort de prison en octobre 98. Rapidement, il trouve un emploi à Strasbourg, livreur. Un contrat de 6 mois, mais c'est un bon début. Son patron, Jean-François, est content de lui. C'est un homme qui voulait vraiment se sortir, qui a eu pas mal de démêlés auparavant. Et on lisait dans ses yeux que vraiment, c'était un gars qui voulait repartir d'un nouveau pied et savait qu'il avait encore le temps de le faire. Question logement, Gérard Stel habite dans un centre d'hébergement, principalement pour anciens détenus, à Strasbourg. Ici aussi, ses éducateurs disent de lui qu'il est sans problème. Il paye un petit loyer, il loge dans une petite chambre. Seul problème, son contrat de livreur va bientôt s'achever. Mais décidément, Gérard Stel a la baraka. Il a peut-être trouvé un nouveau travail. On lui propose une place de chauffeur routier avec logement de fonction et un salaire vraiment intéressant. Son employeur, il en avait même cité le nom, était la société Inter-Europe Diffusion. Et il précisait encore que c'était par l'intermédiaire d'un ex-co-détenu qu'il allait être présenté à cet employeur. Un ex-co-détenu qui s'appelle évidemment Nadir Cedrati. Alors un après-midi, Gérard Stel prend le train, direction Nancy. Son futur employeur, Philippe Grossior, le convoque pour un entretien d'embauche. Nous sommes un vendredi. Stel a prévenu ses éducateurs. Il sera de retour dès lundi et il leur racontera comment ça s'est passé. Stel doit être surpris quand même de s'apercevoir qu'il s'agit de Cedrati, parce qu'il pense voir un dénommé Grossior, et en fait c'est Cedrati qui soit vient le chercher, soit qu'il accueille au bureau de l'Axo.
Bon, à ce moment-là, les choses peuvent très bien s'enchaîner de façon très rapide. Cédrati dit, bah, écoute, Grossure est parti, c'est moi qui suis là, t'inquiète pas, Grossure va revenir, tu bois un café. Et il l'empoisonne au cyanure. Et l'affaire est réglée. Dès le lendemain, un retrait de 300 francs est effectué sur le compte de Stel. Il sera suivi d'une quinzaine d'autres retraits sur plusieurs semaines pour un montant global de 3000 francs, 450 euros. Nadir Cédrati a dérobé le code de sa carte bleue, puis l'a tué pour quelques billets. Encore faut-il que personne ne s'inquiète de la disparition de Stel, car il est attendu à son foyer de Strasbourg. Qu'à cela ne tienne, Cédrati passe un coup de fil. Dès le lundi matin, le directeur du foyer, Antenne Ménoux, recevait un appel téléphonique d'un monsieur Grossior, directeur de la société Inter-Europe Diffusion, lequel informait le directeur en question que Stel était déjà au volant de son 38 tonnes sur les routes d'Europe et qu'il ne repasserait pas à Strasbourg. Grossior, autrement dit Cédrati, précise ensuite au directeur du foyer qu'il viendra récupérer les affaires personnelles de Stel. En début de semaine, une personne s'est présentée, donc c'était M. Grossior, auprès de ma collègue. Et là, ma collègue l'a accompagné dans l'appartement pour récupérer toutes les affaires de M. Stel. La chambre a été entièrement vidée et ma collègue l'a même accompagné jusqu'à sa voiture en bas. Pour être sûr que M. Grossior n'avait rien oublié par rapport aux affaires de M. Stel. Nadir Cédrati est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation sur la personne de Gérard Stel. Nadir Cédrati a maintenant deux meurtres sur le dos, deux meurtres qu'il continue de nier contre les évidences avec un aplomb stupéfiant. Mais qu'importe, l'enquête se poursuit pour tenter d'imputer à Cédrati un troisième assassinat, celui de Norbert Ronfort. Ce Ronfort, on a retrouvé d'abord sa carte d'identité, puis ses empreintes génétiques dans des taches de sang qui maculaient l'appartement, sur un couteau aussi, sur une scie et sur divers objets. On n'a pas retrouvé son corps. Norbert Ronfort, ancien taulard lui aussi. Ses copains le surnommaient Casquette. En prison, son rêve c'était d'avoir un camping-car pour partir dès sa sortie sur les routes de France et d'Europe. Partir pour, dit-il, aller dire bonjour aux siens. Norbert Ronfort a en projet de renouer avec toute sa famille. À la prison de Saint-Mihiel, tout le monde connaît le rêve de Casquette. Tout le monde. Et un jour, ça y est, le rêve est en passe de devenir réalité. Il va l'avoir, son camping-car. Alors qu'il était encore écroué à Saint-Mihiel, Ronfort a reçu de la documentation d'une société Inter-Europe Diffusion. On lui propose effectivement l'achat d'un camping-car qui a une valeur très importante de 400 000 francs. On lui propose l'achat d'un camping-car avec une somme de 60 000 francs et des mensualités de 1000 francs. Donc c'est pas du tout cohérent, mais Norbert Ronfort s'intéresse quand même à l'achat d'un camping-car proposé par Grossior. Le plein serait fait, enfin tout était merveilleux, tout baigné. Et Ronfort, le jour de son élargissement, devait être attendu à sa sortie du centre de détention par un membre du personnel de Inter-Europe Diffusion. Mais c'est bien évidemment Nadir Cédrati qui attend son vieux copain de prison. À partir de là, plus personne ne revoit Ronfort. Par contre, on retrouve chez Cédrati à Laxou, on retrouve ses lunettes, on retrouve tous ses papiers personnels. Et au fond d'une armoire, sa casquette, celle qu'un détenu lui a offert le jour de sa sortie de prison. Et puis il y a son ADN, un peu partout dans l'appartement, sur un couteau, sur une scie, sous le lino. De toute évidence, Ronfort a été dépecé dans la cuisine de Cédrati. Mais ensuite, que s'est-il passé ?
Ronfort n'a pas fini dans le canal. Aucun des os retrouvés ne lui appartient. Et ça n'est pas étonnant. On a retrouvé chez Cedrati des journaux relatant les toutes premières découvertes macabres. Il savait donc que son forfait était connu. Il est assez logique qu'il ait décidé de changer de méthode. Et s'il avait enterré le corps? Dans sa cave, on a retrouvé quatre seaux, une pelle et une glacière. Sur tous ces objets, il y a de la terre qui contient un minerai de fer très abondant autour des anciens puits de la région. Les enquêteurs nancéens ont exploré trois puits abandonnés dans la forêt de Haye. Ils espèrent trouver le corps d'un ancien co-détenu du tueur en série présumé. À la recherche du corps de Norbert Ronfort, les enquêteurs vont explorer sur plusieurs jours, plusieurs puits. Sans succès. Ils sont obligés d'abandonner. La tâche est immense, la région compte plus d'une centaine de puits. Pas de corps, pas de témoins, pas d'aveu. Cedrati est néanmoins mis en examen pour l'assassinat de Norbert Ronfort. Le mobile, Casquette, touchait une petite retraite. Casquette, sortie de prison le 19 juillet. Ironie du sort, ce jour-là, la PJ de Nancy était en train de préparer l'interpellation de Cedrati. Il sort de prison le 19. Or, nous interpellons Cedrati que le 21. Ça veut dire que si on interpelle Cedrati soit le 19, soit le 20, on le trouve soit en train de découper Ronfort, soit on sauve Ronfort. Ce pauvre Ronfort n'a pas eu de chance. Si on avait identifié Cedrati 48 heures avant, il serait certainement, non pas sur les routes de France au volant d'un camping-car, mais au moins en vie. On n'a jamais retrouvé le cadavre de Norbert Ronfort. Mais il y a tellement d'éléments à charge dans ce dossier contre Nadir Cedrati que le juge d'instruction n'a aucun doute et quand le dossier est renvoyé devant la cour d'assises, c'est bien pour trois assassinats, celui d'Hans Gassen, celui de Gérard Stel et donc celui de Norbert Ronfort. Le procès s'ouvre le 25 avril 2002. Après 2 ans et demi d'instruction, Cedrati comparaît enfin devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Le dépeceur du canal devra répondre des meurtres de Hans Gassen, de Norbert Ronfort et de Gérard Stel. Et la cour d'assises devra percer le mystère. Pourquoi ? 3 assassinats, c'est pas rien. Pour, au bout du compte, en tirer quoi ? Comme les avocats, les journalistes n'arrivent pas à comprendre ce qui motivait Cedrati. C'est quand même pas pour quelques billets qu'il a fait ça, ou pour prendre une carte d'identité. Malgré les faits qui l'accablent, Nadir Cedrati n'aura qu'une seule ligne de défense. Je ne suis pas un tueur, je suis juste un petit escroc. La preuve, jusque-là, il n'a jamais tué tous ceux dont il a usurpé l'identité. Joël Royer et Philippe Grossior, dont il a utilisé les noms, l'un pour le cyanure, l'autre pour louer son appartement, sont vivants. D'ailleurs, les voici. Ils viennent témoigner à la barre. Joël Royer et Philippe Grossior ont été escroqués régulièrement. Ils sont venus témoigner à la cour d'assises. Et Nadir Cedrati a eu cette parole fabuleuse de, en se tournant vers eux. Ben, « Toi, je t'ai escroqué. »« Oui. Ben, »« Tu es vivant. »« Oui. » »« Que voulez-vous répondre à une question comme ça ?» Il se tourne vers la cour en disant, ben voyez, il n'est pas mort. Et c'est effectivement une logique, c'est que Nadir Cedrati était un escroc, mais il ne tuait pas les personnes qui étaient victimes de ses escroqueries. Il a d'ailleurs martelé assez bien cette idée-là. Enfin, il a martelé à sa manière, parce que personne n'y croyait. C'est tout le problème. Personne ne croit Cedrati. Cabot, orgueilleux, il fait le pitre, il fait son show. Le procès devient surréaliste. Cedrati inonde tout le procès de ses invraisemblances, de sa gouaille et de ses mots. Quand quelqu'un dit « Madame la Présidente, c'est moi qui mène les débats », on ne voit ça que dans les films, mais on ne voit pas ça dans un procès d'assises de vie réelle. De temps en temps, il représentait, il se donnait un rôle de Louis de Funès. De temps en temps, il ressemblait un peu... Enfin, c'était grotesque même. Ça indisposait même les juges. Pour avoir réponse à tout, Cedrati ne recule devant aucune pitrerie.
Par exemple, les scies, les couteaux retrouvés dans son appartement. Il les a achetés, dit-il Goguenard, à la demande de Muller, qui l'a chargé de faire le cuistot pour ses amis de passage. Ça fait sourire les jurés. Ces interventions étaient tellement cocasses qu'on finissait même par les attendre, parce que c'était quelque chose... Il inventait au fur et à mesure, on se disait mais jusqu'où il va aller dans les inventions. Pour le cyanure, Cedrati n'hésite pas à s'en prendre à l'expert toxicologue. C'était quelqu'un qui apparemment connaissait beaucoup de choses sur le cyanure, se sentait fort et compétent en toxicologie, et donc à certains moments, il a essayé de m'apprendre mon métier. L'expert, donc, à la barre, dit que le cyanure de potassium a une odeur caractéristique d'amande amère. Et Cedrati lui coupe la parole en lui disant « Mais vous n'avez même pas goûté, vous n'y connaissez rien. Moi, j'ai goûté le cyanure de potassium, c'était dégueulasse, je l'ai recraché. » Bon, ça a fait rire tout le monde parce que quand on connaît les doses létales du cyanure de potassium, s'il en avait réellement goûté... S'il en avait réellement goûté, Cedrati ne serait pas là pour en parler. Mais la vedette du procès sera incontestablement la broyeuse à végétaux. Nadir Cedrati l'a-t-il utilisé ? Ses avocats tentent sans succès de faire retirer l'engin de la salle d'audience. On a voulu théâtraliser ce procès. Et on a mis la broyeuse au centre de la cour d'assises pour que les jurés disent « Regardez ce monstre, il a broyé des cadavres ». Cedrati disait même lui-même, il disait « On m'a diabolisé avec ce truc et on lui a souvent demandé mais pourquoi, que faisait cette broyeuse dans votre appartement ?» Cedrati a répondu très simplement que Muller lui avait demandé d'acheter cette broyeuse pour débiter des plaques de stupéfiants. Mais on n'a retrouvé aucune trace de drogue dans la broyeuse. Alors à quoi a-t-elle pu servir ? Alors Dominique, parlons de cette fameuse broyeuse à végétaux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une broyeuse à végétaux ? Mais une broyeuse à végétaux, c'est ça. C'est un appareil qui sert à déchiqueter des branchages, des broussailles. C'est un appareil pour faire du jardinage. Mmh. Cette broyeuse, Cedrati l'a achetée en avril 1999. C'est un appareil électrique. Ouais. Et il l'a achetée 3 semaines seulement après sa sortie de prison. Et la facture est au nom de Nadir Cedrati, hein ? À son nom, oui. Alors... Il faut resituer un petit peu les choses dans leur contexte. Cette broyeuse, c'est un scellé. Hein, elle a été saisie chez Cedrati. Une pièce à conviction, comment dire. Une pièce à conviction avec tout ce que chacun doit s'imaginer à quoi elle a pu servir. Est-ce que Cedrati a glissé les morceaux de ses victimes pour les déchiqueter ? Alors, est-ce qu'elle a servi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en mesure de dire avec certitude qu'il a passé des morceaux humains dans la machine ? Elle a servi, mais on ne retrouvera pas d'ADN humain à l'intérieur. Elle va être expertisée, ici, à la cote 3432 du dossier. C'est l'expertise de la broyeuse. Et le résultat, c'est aucune trace d'ADN humain n'a été détectée à partir des prélèvements analysés. Alors, les experts disent qu'il y a à l'intérieur des traces jaunâtres, mais ça n'est pas en tout cas un ADN humain. Pour l'anecdote, les policiers du SRPJ de Nancy vont venir à la barre expliquer qu'ils ont glissé à l'intérieur de la broyeuse des côtes de porc, des morceaux de gigot d'agneau, mais que ça n'a pas fonctionné. Mmh. Alors, ce qui devait être en fait, l'accusation attendait beaucoup de cet objet, de la présentation de cette broyeuse, eh bien ça va faire un flop. Et Nadir Cedrati, lui, dans le box, à chaque fois qu'on évoque la broyeuse, il se lève en gesticulant et en criant « broyeuse, broyeuse, ronron, nettoyer », il pousse des cris, et il explique lui ensuite que cette broyeuse, c'est Muller qui lui a demandé de l'acheter pour... mettre en pièces, en morceaux, des blocs de haschich. Des feuilles de haschich. Des feuilles de haschich. Bon, alors, ça, évidemment, ça ne servira pas à l'accusation, contrairement à ce qu'elle attendait. Et de la même façon, le cyanure qui est retrouvé en grande quantité dans l'appartement de Cedrati, l'accusation s'attend aussi à faire un effet, et bien ça fera un flop, parce qu'on retrouve des traces de cyanure dans les morceaux humains qui sont dans le canal, qui sont sur la décharge, mais pas en quantité suffisante pour dire avec certitude que les victimes de Cedrati ont été empoisonnées au cyanure. Donc, ces deux éléments, la broyeuse, le cyanure, qui devaient permettre, comme l'espérait l'accusation, d'établir la preuve irréfutable de la culpabilité de Cedrati, eh bien, ça va tomber à l'eau. Le procès se poursuit, et voici le moment de faire venir à la barre ce qu'on appelle les miraculés. Autrement dit, ses anciens compagnons de détention, vivants ceux-là. Ils seront 3 à faire face à l'accusé.
dont un certain Dédé. Dédé que Jean-Claude a bien connu. Lui aussi est un ancien de Saint-Miel. C'est un miraculé. Il y a eu le Sten, il y a eu le Ronfort. Après, je te dis, il y avait le Dédé. Et puis après, il y avait moi. Donc, comme la police, elle a fait bien son boulot et qu'ils l'ont arrêté avant, c'est pour ça que je suis là, quoi. Grâce au miraculé, on apprend qu'à l'époque, Nadir Sedrati avait beaucoup d'amis en prison. Il se mélangeait avec tout le monde. C'était un gars, il parlait avec tout le monde. Il était toujours souriant. Il était. C'est le bon vivant, quoi. Le mec bien gay, quoi. Bref, quelqu'un qui se faisait rapidement des copains. En prison, il était coiffeur. Une profession propice aux confidences. J'ai un copain qui m'a dit, bah tiens, Nadir, il coupe les cheveux. Alors c'est là que je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et puis une fois, il est venu dans ma cellule et puis il m'a coupé les cheveux. Puis c'est là qu'on a commencé à discuter, puis que je lui ai dit que j'avais permis de poids lourd. C'est de là qu'il m'a dit bon, ben, que je l'intéressais, qu'il avait envisagé de monter à sa sortie une boîte de transport pour trimballer des caravanes ou camping-cars. Et puis bon, ben, et puis proposer des bons salaires, quoi. À l'époque, il me disait 15 000 balles par mois, te casse pas la tête, tu dormiras jamais dans la couchette. Toujours à l'hôtel, bon, ben, hein, c'est vrai, quoi, quand tu sors de prison, si t'as du boulot, ça valait le coup, quoi, c'était quand même... Oh la vache, l'enfoiré. Ça craint quand même. Hein. Les miraculés auront donné le coup de grâce à Nadir Sedrati. Les psys vont enfoncer le clou en disant à la cour qu'il est capable, à tout moment, de récidiver. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, l'accusé les regarde droit dans les yeux. « Réfléchissez bien, dira-t-il. Je n'ai rien fait. » Il n'a rien fait, mais il est condamné quand même. Pour les trois assassinats, à perpétuité, avec une peine de sûreté de 20 ans. Immédiatement, toujours dans sa logique d'innocent incompris, Sedrati fait appel. 19 mai 2003, à Metz, ouverture du procès en appel. Sedrati continue de nier les trois assassinats pour lesquels il a été condamné en première instance. Sa position reste la même. Pourtant, l'homme a changé. Je pense qu'il avait senti que c'était sa dernière chance et que là, il fallait, je dirais, être un peu plus réservé. Ceci étant, il n'a pas pu s'empêcher de faire le clown. Mais la façon dont je l'ai ressenti, et je pense que je n'ai pas été le seul à avoir ce sentiment, c'est qu'en réalité, c'est un clown triste et qu'il était par moments assez pathétique et que finalement, il ne faisait plus rire que lui. Le procès est privé de son acteur principal. Mais un coup de théâtre vient secouer la morosité ambiante. Et si Norbert Ronfort, dont on n'a jamais retrouvé le corps, était vivant? La défense appelle à la barre un nouveau témoin. Ce témoin va expliquer, eh bien oui, qu'il a connu, qu'il a entendu parler d'un Norbert Ronfort, surnommé Casquette. Est-ce qu'il l'a déjà vu? Non, pas vraiment, mais son ex-compagne l'a rencontré à plusieurs reprises. Ce témoin ne m'a pas, ne m'a pas convaincu, loin s'en faut. Il était très hésitant, il témoignait par oui-dire et pas de la façon la plus convaincante possible. Pour convaincre, il faudrait donc entendre directement la compagne du témoin, celle qui a vu Ronfort, mais elle est en prison. Les avocats de Sedrati demandent alors à la cour d'extraire cette femme de détention, mais la cour refuse. Elle refuse ce témoin de dernière minute. Les avocats utilisent alors la technique de la sommation interpellative. Ils rédigent des questions qui, en prison, sont posées par un huissier assermenté à la femme qui aurait vu Norbert Ronfort vivant. Dans ces questions, connaissez-vous un Norbert Ronfort? Oui. A-t-il un surnom? Oui. Son surnom est Casquette. Très troublant. Est-ce que vous l'avez vu en 2000, c'est-à-dire soit après l'arrestation de Nadir Sedrati qui a lieu en juillet 1999, elle m'aurait de répondre oui à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il était gardien
dans une villa. Elle précise bien qu'à plusieurs reprises, elle l'a vu de 2000 à 2003. Autrement dit, ce Norbert Renfort, qui a le surnom de Casquette, qui porte toujours une casquette vissée sur la tête et qui a été élargi au mois de juillet 1999 d'un établissement pénitentiaire dans l'Est, eh bien, est vivant. Ces réponses sont soumises à la cour d'assises et elles en font douter plus d'un, y compris les avocats des parties civiles. Je dois vous dire que j'ai été, en ce qui me concerne, extrêmement troublé par ces réponses. Ces réponses étaient tout à fait précises, circonstanciées, et cette personne a donné des détails qui, à ma connaissance, n'étaient jamais passés dans le domaine public. Norbert Renfort, c'est l'affaire de trop qu'on a voulu imputer à Nadir Sedrati et qui permet, selon nous, avocats de Nadir Sedrati, de démontrer l'innocence de celui-ci pour les trois. Gassen, Steyl, Renfort, trois assassinats sur lesquels la cour va devoir statuer. Avec planant sur la salle, l'ombre de Casquette. Il se cache, il a des choses à se reprocher, il profite du fait qu'on le croit mort, affirme Sedrati. L'accusé tente, une dernière fois, de convaincre les jurés. Sedrati va parler aux jurés, bien entendu, il a la parole en dernier. Il va parler aux jurés avant que ceux-ci ne sortent. Et il va leur faire une sorte de chantage à sa façon. Il va avoir cette parole un peu grandiloquente. Il va les regarder un peu au fond des yeux. Et il va leur dire, messieurs les jurés, si vous me condamnez, c'est un meurtre à l'unanimité. Mais Nadir Sedrati n'a pas convaincu. Le verdict tombe. Réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus qu'au premier procès. Le doute sur le décès de Norbert Renfort n'a pas eu l'impact attendu. Moi, je pense que la justice s'est véritablement offert le luxe d'une erreur judiciaire, parce que ce n'était pas un effet de manche, c'était bel et bien un travail de défense, et l'accusation n'a jamais cru Nadir Sedrati. Les cours d'assises ne l'ont jamais cru. La défense apporte un élément qui vient crédibiliser sa thèse sur un point, en indiquant qu'il n'a jamais tué Norbert Renfort. Nous n'avons pas été crus. Nadir Sedrati accusera le coup sans un mot. Maintenant, vous savez, il y a des témoignages prouvant que M. Renfort est vivant. Eh bien, nous allons faire un pourvoi en cassation et puis nous avons espoir de retrouver M. Norbert Renfort. Jusqu'au bout, dans sa logique d'innocent incompris, Sedrati décide de se pourvoir en cassation. Pourvoi rejeté le 7 octobre 2003, ce qui revient à confirmer le verdict. Nadir Sedrati purge en ce moment sa peine de prison à perpétuité. Il pourra demander à bénéficier d'une libération conditionnelle à partir de 2021. Il aura alors 83 ans. Thank you.